On est sur Dreaming Pool, c'est ça? Y a pas de Shurima de Ghosty? Ah si, y a Talia. Bon, on verra bien. Sinon, prendre un composant, ça peut être pas mal aussi. Un composant tout de suite, c'est pas mal, je pense. Comme ça, on slam deux items. On va slam double item action. J'aime bien faire des items comme ça, genre d'empiler des items de crit et d'aller chercher une IE après. La question c'est combien de temps je vais mettre à trouver le troisième action, parce que là ça va me coûter très cher. Lui il est un petit peu moins mais il est pas faible hein. Ouah, il me manque pas grand chose. Là si j'avais Renekton je serais 100 fois plus tanky. Je pense pas garder Talia. Hein. Même carrément acheter ce Swain. C'est un gagné au contenu. J'ai pas de front en fait. Mais ça me surprend qu'avec Hoj et Guardbreaker, j'arrive pas à one shot une backline. Backline T2. Au pire, j'ai action 2 en 3-1. Ouais, bah oui. On aime avoir de la front dans cette compo. Ça me fait Talia 2. Mais est-ce qu'on veut Talia 2? Justement, je pense que non. Une BF. Trop de BF, c'est pas très grave parce qu'on peut faire BT Urgot. Ah, le Renek, enfin. Bah, du coup, touche H. Hein. On jouera pas, je pense. Je trouve qu'avec Deadeye, ça change pas mal de choses. Hein, parce que généralement, en fait, il y a un petit proc Deadeye qui part sur backline. Et l'ulti action, c'est pile assez pour le finir. Ce petit extra damage que Deadeye rapporte et les volets de H, souvent c'est ce qui permet à Akshan de tuer ses cibles. C'est broken d'avoir une paire de 3 casses cette map. Il est fort lui hein. Ah, il a pas de front mais sa backline elle est terrifiante. Alors, on touche à rien. Prochain tour, Dreaming Pool va nous donner un champion qui fit ma première synergie qui est Shurima. Ça va être forcément à 3 cost donc c'est forcément action. On va acheter ça. Peut-être notre prochain level. Swain, même s'il passe de, je suis pas sûr qu'il rentre là. J'ai pas envie de commencer à rentrer du Noxus et tout. On va être patient. Ok, une BF. On peut faire une IE. Ok, parfait. On va faire IE sans plus tarder. On va récupérer notre action 2. Hop là. Le problème là, ça va être ma frontline. J'ai pas de front. Je pense qu'on vend ça. Hein. On a plein de trucs à rentrer au prochain level anyway. Brawler vertical. Avec une gunblade. Tiny Titan ça peut être marrant. Ça me fait Cassio 2, Renek 2 et ça me fait de l'écho. Red Buff peut être cool si ça me fait d'un tir. Je pense que ça c'est cool. Hein. Deux upgrades et de l'écho. Ah.
ça me fait des gold quoi. Youp, ça leur remercie plus 27 mois. Oh. Ça c'est huge. Ça aussi c'est huge. Qu'est-ce qu'on fait de cette baguette? On n'a pas grand chose à en faire, hein, à part Morello. Je pense que ça va être un Morello. Morello H ou Morello Lys? Les deux sont bien. Alors, sinon, pour faire une Ginzu, il y a pas mal d'arcs. Ok, un arc et une belt. On aura forcément un des deux. À moins que. Non, je pense qu'on pourra pas guérir un Urgot. Si on a une armure, on va vouloir gear ses juaniers. Donc c'est forcément une Ginzu. A voir si on la met sur un Aphelios plus tard ou si on roll pour H. Lui il va souffrir du manque de frontline je pense. Avec le Guardbreaker on est bien contre ça. Hein. Bah, les shields, c'est pas notre problème. Et je vais plus trop jouer à Invoker, ils ont vraiment hard nerf chain, tu vois. Après, c'est encore jouable, mais. Il va pas y avoir trop de Nasus dans cette game. Il y a un Azir. Et il va peut-être jouer stratégiste, lui. Ok. On a une Titan. Il a trouvé Azir 2. Qu'est-ce que tu veux dire? On va prendre ça, je pense. On a deux composants qui traînent, par deux full items. C'est soit Zrod, soit Rédemption, mais là je pense qu'on est obligé de faire Rédemption. Je pense qu'on va roll un peu. Hein. Ok, 4 Dead Eye. Peut-être encore un ou deux. Soit la Ginzu du coup vu que H n'est pas encore passé 2. Wow, Yasuo il s'est fait one tap. Le Guardbreaker me met très très bien ce round. Oh. Nah je pense qu'on prend pas hein. Ça, c'est cool. Je pense que c'est 4 Dead Eye, hein. Là, ma comp, elle a un problème, c'est que j'ai pas mal de composants, mais ils sont un peu trop split sur mes unités. Y'a que Action qui a triple item. Je vais quand même acheter le Azir.
Ah, je pense que le KDDI est bien. Hein. BDF. BDF, ça fait BT Urgot. Ok, c'est bon. On pourrait acheter Aimer, mais je sais pas, il coûte cher, je trouve. Non, mais il met son Zephyr contre, mais il met son Darius 3 en retrait. Lui, il a vraiment juste trop une game de zinzin. Je vais essayer de roll un peu de plus deep. On va essayer de sortir, mais... Pardon. Oh, j'ai perdu tous mes rounds. Dans cette comp, t'aimes bien avoir une CGN et triple item pour tanker un max. Ça manque de front. J'ai pas eu d'item front en fait. Tu peux regarder la game hein, si tu veux, tu peux... la VOD est disponible. Je vais la remettre au début et tu peux me dire à quel moment j'ai eu des items front. Ok, Bramble Jess. On a de nouveau un problème, c'est que ça split les items. J'aime pas trop split les items. Bait un peu, non? On pourrait catch Shirima. Ouais, on va que tuer l'image, je pense. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va juste roll sèche 2. Elle est timide là, c'est génial. Ok. Pas que lui, Urgot meurt trop vite. Nice. Guardbreaker diff. Oh, c'est RFC. Je pense que c'est RFC Felios. On a un gros problème avec notre positionnement. C'est lui. Avec son Zephyr front. Il faudrait peut-être se mettre comme ça. Le problème, si je prends toute la largeur, lui avec son cas santé, il va vraiment être relou. Ah,
peux rien faire. J'aimerais me placer pour un mec en particulier, mais je peux pas. Nice. Si je pouvais choisir un troisième item sur Sage, ce serait plus une Warmog qu'une Diclo. Sinon une deuxième Titan sur Urgot serait cool. Waouh. Vraiment rien là. C'est un Shroud hein. Middle. Hein. On a encore un remover après ça. Ok, lui c'est assez simple ce qu'on veut Zephyr. Ah, c'est une course aux dégâts contre le Darius et je les ai pas les dégâts. Il me manque pas grand chose. Mais bon, il se fait sortir aussi, c'est top 2. J'ai... Première game du patch, top 2. Next.